Impossible d'atteindre l'objectif. Abandonnez le contrat. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une intro un peu différente. Enfin bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques astuces pour le Battle Royale solo de Call of Duty. Vous savez, ils viennent de sortir un mode solo sur ce nouveau Battle Royale qu'est Warzone. Et je trouve que le solo est beaucoup plus compliqué à appréhender que le Battle Royale en squad. Et j'avais envie de vous donner quelques petites astuces pour vous améliorer sur ce Battle Royale qui est vraiment pas facile et qui va demander d'appréhender le jeu un peu différemment puisque le gameplay est vraiment, vraiment, vraiment complètement différent. Et il va falloir que vous trouviez des moyens pour un peu réapprendre à jouer parce que je trouve vraiment que le solo est complètement différent. Évidemment, il y a plein d'autres astuces que je ne cite pas parce que bah voilà, je vais pas tout citer dans une vidéo. Mais je vous invite du coup à aller voir sur internet, vous renseigner si vous avez du mal avec le solo. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur YouTube, sur internet pour trouver d'autres astuces. Et je précise aussi évidemment que toutes ces astuces, ce n'est que mon pur avis personnel qui ne concerne que moi, entre guillemets, et que, bah voilà, c'est pas spécialement juste à 100%, je vous donne juste mes conseils personnels, à vous de les prendre ou pas, et puis, bah voilà. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, et c'est parti! Pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas Call of Duty Modern Warfare, j'ai un conseil qu'il faut absolument suivre en début de game pour améliorer le niveau de vos armes, ce qui va vous permettre par la suite de créer vos classes avec les équipements que vous voudrez dessus. C'est ultra important pour la suite du jeu, pour pouvoir s'améliorer c'est ultra important. Donc moi ce que je vous conseille à chaque début de game, vous avez plus ou moins 40-50 secondes pour vous préparer, pour vous échauffer. Bah, je vous conseille de faire le maximum de kills possible. Tout simplement pour pouvoir augmenter vos armes comme j'ai déjà expliqué. Le jeu va vous donner une arme aléatoire, par exemple un RPG, j'en sais rien. Et avec ce RPG, vous allez peut-être faire 1, 2, 3 kills. Et à la longue, vous allez améliorer cette arme et vous allez pouvoir mettre des viseurs thermiques, des accessoires, etc. C'est ultra important de faire ça pour améliorer ces armes si vous n'avez pas Modern Warfare normal. Évidemment, si vous avez le Modern Warfare normal, vous aurez déjà amélioré vos armes en multi, donc cette astuce ne sert pas à grand chose. Si vous êtes en solo, vous aurez sans doute beaucoup plus de mal à trouver de l'argent qu'en squad, ce qui est vachement logique, puisqu'en squad, vous pouvez également partager votre argent pour acheter par exemple un colis plus rapidement ou une réanimation plus rapidement. En solo, vous serez livré à vous-même et vous serez obligé de trouver tout l'argent vous-même. Alors, ce que je vous conseille à acheter en premier, c'est le largage logistique ou stratégique, je sais plus, qui va vous permettre d'avoir votre classe prédéfinie que vous aurez choisi avec les armes que vous aurez choisies. Et ensuite, quand vous avez l'argent, vous achetez le kit d'auto-réanimation. Et puis ensuite, si vous avez encore des thunes, vous achetez la frappe à dispersion. Donc achetez vraiment bien le kit d'auto-réa en deuxième pour avoir en fait une seconde chance de survie si l'ennemi oublie de vous finir. Ou si vous ne vous êtes pas pris une balle dans la tête, par exemple. C'est hyper pratique parce que bah, juste en achetant ça, vous pouvez survivre et continuer votre game comme si de rien n'était. Et c'est hyper important. Alors ce que je vous conseille dans votre classe aussi, c'est dans la méta actuelle, c'est hyper utile et c'est complètement OP, c'est cheaté de ouf. C'est le capteur cardiaque. En fait, ça va agir comme un petit drone que vous aurez dans la main et vous pourrez voir les ennemis qui sont à proximité. Alors ça, c'est hyper pratique en bâtiment ou quand vous entendez du bruit mais que vous savez pas d'où ça vient. Et le capteur cardiaque a quand même une grande portée d'environ 30-40 mètres. Donc c'est quand même déjà pas mal pour pouvoir voir où sont les ennemis. Imaginons que vous avez vu un point sur la mini-carte qui tirait. Vous allez vers le point, mais vous savez pas exactement où est l'ennemi. Vous sortez le capteur cardiaque, et là, vous verrez exactement où est l'ennemi. Et vous pourrez soit le flank, soit le rush. Bah, dans tous les cas, vous allez le buter. Attention qu'il y a quand même certains joueurs qui connaissent
le capteur cardiaque et qui vont utiliser les atouts pour être invisibles sur les capteurs cardiaques. Donc vous pouvez aussi vous faire avoir, mais en tout cas pour le moment le capteur cardiaque est complètement OP et je vous conseille de l'avoir si vous êtes nouveau pour vous habituer un petit peu au jeu et pour avoir tout simplement des kills un peu plus faciles. Deuxième chose à avoir absolument dans sa classe, c'est des grands chargeurs. Si vous pouvez améliorer le chargeur, faites-le absolument, parce qu'en solo, forcément, vous serez tout seul à tirer sur l'ennemi. Donc il va falloir obligatoirement le buter, peut-être pas en un seul chargeur, mais en tout cas, vous aurez beaucoup plus de chances de le tuer si vous ne rechargez pas. Et du coup, vous pourrez tuer plusieurs ennemis à la suite si vous avez un grand chargeur. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille pour éviter de devoir recharger tout le temps et qui va vous faciliter la vie et peut-être vous sauver la vie justement dans certaines conditions. Et troisième et dernière chose que je vous conseille d'utiliser dans votre classe, ce sont des silencieux monolithiques. Tout simplement, de 1, ils vont augmenter votre portée des dégâts, donc vous allez pouvoir tirer beaucoup plus loin, vous allez pouvoir tirer plus loin, et également, lorsque vous tirez, vous ne serez pas affiché sur la minimap. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Vous serez invisible sur la minimap et personne ne pourra vous voir, sauf s'ils activent un drone ou quelque chose comme ça. Donc le but, c'est d'être le plus invisible possible et de pouvoir jouer avec ça en étant un peu discret et en jouant de façon stratégique. Pour finir cette vidéo d'astuces, la dernière chose que je vais vous conseiller, c'est toujours garder un œil sur votre minimap pour avoir les infos quand les ennemis vont tirer. En fait, chaque fois qu'un ennemi va tirer, il va être affiché en rouge sur la minimap. Alors vous prenez l'info, vous retenez où il est, et puis après vous sortez votre capteur cardiaque et vous allez le tuer. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'éviter de rusher sans réfléchir. D'abord, prenez les infos parce que ça se trouve, le gars est en train de se fight avec 3-4 autres types. Et si vous vous lancez dans la fight sans réfléchir, vous allez vous faire éclater, c'est obligé. Donc vraiment, prenez les infos et essayez de jouer de façon stratégique. Prenez des hauteurs, regardez où sont les ennemis et contournez-les, flanquez-les. Il y a vraiment plein de choses à faire en solo. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire, inventer. Il faut vraiment être créatif pour pouvoir tuer ses ennemis de la meilleure façon possible. Et c'est ça qui est cool avec ce Battle Royale, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors vous avez vu, j'ai donné des astuces dans les astuces, c'était pas vraiment un nombre calculé d'astuces. Il y en a plusieurs, il y a des petits tips, etc. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider pour vos futurs games en solo ou même en squad. Ça peut vous aider aussi d'avoir toutes ces infos-là. J'espère réellement que ça va marcher pour vous et que vous réussirez à faire des top 1. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si c'est pas encore fait, et surtout activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye. Je conduis. Essaye de te cracher. Derrière toi. Insupportable. Le gaz se rapproche. Tiens, gros bâtard. Prends ça dans ta gueule. Il faut savoir apprendre de ses défaites.